Mesdames et messieurs, les premiers avocats généraux. Mesdames et messieurs, les présidents de chambre. Monsieur le procureur général. Madame la doyenne des présidents de chambre. L'audience solennelle d'installation de M. Christophe Soulard est ouverte. Monsieur le procureur général, Madame la Première ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Premier président, Madame la Secrétaire d'État, Madame, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs des cours suprêmes et hautes personnalités internationales, Madame la Défenseure des droits, Préfet de région, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités représentant les autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des professions judiciaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la Cour vous remercie de votre présence à cette audience solennelle d'installation de son premier président, qui marque l'un des temps forts de la vie de la Cour de cassation, annonciateur de renouveau et de projets à réaliser. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Madame la doyenne des présidents de chambre, j'ai l'honneur de soumettre à la Cour un décret du 23 juin 2022 portant nomination de M. Christophe Soulard, président de chambre à la Cour de cassation, en qualité de premier président de la Cour de cassation. Je requiers qu'il plaise à la Cour de bien vouloir procéder à l'installation de M. Christophe Soulard. La Cour, faisant droit aux réquisitions de M. le procureur général, déclare qu'il va être procédé à l'installation de M. Christophe Soulard dans ses fonctions de premier président de la Cour de cassation. Je prie M. l'huissier de se rendre en chambre du Conseil afin d'introduire M. Christophe Soulard en grand chambre. On n'entend pas bien. Ouais, je me rapprochais. Je suis navré. Thank you.
Cette audience célèbre l'installation de notre nouveau Premier Président. Elle est également l'occasion de rendre un ultime hommage à celle qui vient de terminer son mandat. Deuxième femme après Simone Rosès à avoir présidé la Cour de cassation, Chantal Arens, par son remarquable talent, son incroyable énergie, sa détermination et sa force de persuasion, aura marqué durablement notre institution. Gouvernance participative, tels sont les mots qui, me semble-t-il, expriment le mieux son action. Lors de la cérémonie intime organisée à l'occasion de son départ, Madame Arens commençait son propos par ce proverbe venu de terre lointaine. « Si tu veux marcher vite, marche seul. Si tu veux marcher loin, marchons ensemble. » Tout au long des années qu'elle a passées à la présidence de juridiction ou de cour, son management s'est distingué par une gouvernance à la fois collective et participative, avec la mise en place de groupes de travail pour favoriser la réflexion en commun, le partage des idées, le décloisonnement et la valorisation des initiatives. La Cour d'appel de Paris et avant elle le tribunal de Paris, pour ne citer que ces deux juridictions, ont grandement bénéficié de ces méthodes qui ont conduit à d'importantes et durables réformes. Sa volonté d'œuvrer en commun pour élargir le champ des perspectives aura également profité à la Cour de cassation. On ne compte plus les groupes de travail et comités de suivi mis en place dès le lendemain de son investiture, qui ont donné lieu à autant de rapports tout à la fois riches et inventifs, lesquels ont tous abouti à des mesures concrètes dont l'intérêt et l'apport pour la Cour de cassation et plus globalement pour l'institution judiciaire sont reconnus de tous. Nombre des préconisations qui ont été ainsi formulées sont aujourd'hui mises en œuvre, d'autres le seront demain, et nous ne doutons pas que celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de prendre forme s'exprimeront dans les réformes à venir à plus ou moins court terme. La première présidente Arens est parvenue à modifier en profondeur nos méthodes de travail, dans les chambres, mais aussi entre les chambres, et à renforcer les liens avec les cours d'appel, en privilégiant et en instituant des échanges réguliers et de qualité appréciés de tous. Au-delà de ses aspects managériaux, par sa vision globale de la justice et de son fonctionnement, fruit d'une solide connaissance des juridictions du fond, servie par son autorité naturelle et sa détermination, elle a favorisé la réflexion collective, sans renier la rigueur et l'autorité sur des questions juridiques nouvelles, et ce faisant, a renforcé considérablement la lisibilité, la visibilité, l'attractivité et donc la compétitivité de la Cour de cassation, notamment à l'international. Engagement, responsabilité et courage. Tels sont les mots qui décrivent, à mon sens, le plus justement sa personne. Engagement, on retiendra son attachement profond à l'indépendance de la magistrature, principe qu'elle a défendu et porté tout au long de sa carrière avec ferveur. Responsabilité. Madame Arens n'a jamais hésité à défendre notre institution et à travers elle l'autorité judiciaire tout entière, chaque fois que celle-ci était attaquée ou menacée. Elle a porté haut l'indépendance juridictionnelle des juges, condition essentielle de la démocratie et de l'état de droit. Veiller à ce que les juges puissent exercer leurs fonctions dans la sérénité, à l'abri de toute pression et dans des conditions dignes, telle était sa conception de son rôle et de ses missions. Courage, le courage, elle n'en a pas manqué. Quels que soient les obstacles qui ont pu s'élever en travers de son chemin, elle les a surmontés avec détermination, dignité et philosophie. Nous pouvons tous en témoigner ici. Au nom de toute la Cour de cassation, je tiens à la remercier très sincèrement et très chaleureusement pour l'ensemble de ses actions. Monsieur le Premier Président, après avoir relu quelques éléments biographiques et bibliographiques retraçant votre carrière professionnelle, qu'on devine exceptionnelle, une notion s'est imposée à moi, celle d'échange. Pourquoi l'échange ? Parce que ce terme évoque l'ouverture et l'écoute, et que, susceptible de multiples acceptions, il est une constante que l'on retrouve à toutes les étapes de votre parcours. L'échange, dans le langage courant, c'est le fait d'échanger quelque chose, quelqu'un, contre quelque chose, quelqu'un d'autre, de s'adresser réciproquement des choses, des idées, des renseignements, des documents. Au pluriel, c'est le commerce entre des pays, les échanges internationaux. En droit, c'est la convention par laquelle deux propriétaires se cèdent respectivement un bien. En physique, c'est le transfert réciproque d'ions entre la solution et le complexe absorbant.
En sport, pour les sports de balles, c'est le jeu pour s'échauffer avant une partie, et en boxe, c'est une série de coups entre les deux adversaires. Votre parcours et votre personne, c'est un peu tout cela à la fois. Éliminons d'abord les deux dernières exceptions, celles liées au sport, les plus faciles assurément, puisque vous êtes un grand sportif, pratiquant au plus haut niveau différents sports de compétition. On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que les échanges, ainsi qu'ils viennent d'être décrits, vous connaissez nécessairement, ce qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire hâtivement, n'est pas inutile quand on mène une carrière exemplaire comme la vôtre. Ensuite, plus sérieusement, vous êtes un grand spécialiste du droit des douanes et du contentieux douanier pour leur avoir consacré notamment un guide pratique, une étude dans les mélanges publiés en l'honneur de Jacques Boré, divers articles également bien sûr, et pour avoir régulièrement annoté notre code des douanes pendant des années. La douane étant l'administration chargée du contrôle des frontières d'un pays, et en particulier de la régulation des personnes et marchandises qui y entrent et qui en sortent, on peut dire que l'échange est au cœur de son activité. Et si l'on parle de frontières, on pense aussitôt, s'agissant de notre beau pays, à l'Europe, ce qui nous conduit tout naturellement à votre intérêt, ancien et marqué, pour le droit communautaire et le droit de l'Union. Vous me pardonnerez, je l'espère, Monsieur le Premier Président, si j'indique à l'assistance que vous avez l'âge du traité de Rome. Vous êtes donc un enfant de l'Europe moderne, et très tôt, vous vous passionnez pour ce droit nouveau en devenir, tout entier tourné vers le libre-échange, cœur de la construction européenne. Votre attrait pour le droit communautaire, comme on le dénommait alors, s'exprime d'abord par un tropisme vers la région Grand Est. À votre sortie de l'École nationale de la magistrature en 1985, vous devenez juge chargé du service civil du tribunal d'instance de Metz. Puis, dès 1989, vous rejoignez la Cour de justice de l'Union européenne en qualité de référendaire au cabinet du président, chargé des fonctions de lecteur d'arrêt. Ces dernières responsabilités vous valent d'être nommé en 1992, soit à l'heure de la signature du traité de Maastricht, directeur du Centre européen de la magistrature et des professions juridiques situé à Luxembourg et dont la vocation est de former au droit européen les magistrats, fonctionnaires et avocats des États membres de l'Union comme des pays candidats à une adhésion à l'Union. C'est après presque 10 années passées en détachement au sein des plus grandes juridictions et institutions européennes que vous renouez avec des fonctions juridictionnelles en entrant à la Cour de cassation en qualité de conseiller référendaire au sein de la Chambre criminelle section économique et financière qui aura ainsi pu profiter de votre savoir, alors encore relativement rare, en droit communautaire. D'ailleurs, ces années seront marquées par une activité d'enseignement permanente tout entière consacrée au droit communautaire, au droit douanier et aux relations entre droit pénal et droit communautaire. À la fin de votre référendariat, vous retournez au tribunal de grande instance de Metz en qualité de premier vice-président, où vous présidez une chambre civile et coordonnez le service civil. Et c'est en 2012 que vous revenez à la Cour de cassation en qualité de conseiller cette fois, de nouveau à la chambre criminelle, pour ne plus quitter cette belle institution. De conseiller, vous devenez doyen de section en 2015, puis président en 2017 de cette prestigieuse chambre que vous allez faire évoluer en profondeur avec l'adhésion sans réserve de ses membres, en accompagnant, voire en anticipant pour la matière pénale, les réformes souhaitées par nos premiers présidents successifs. Sous votre présidence, la chambre criminelle a rendu un certain nombre d'arrêts d'une grande portée quant à la protection des libertés publiques et de l'environnement. Enfin, aujourd'hui, c'est la Cour de cassation elle-même que vous allez présider. Si l'on voulait résumer encore plus votre carrière, on pourrait dire ceci: juge civil, 9 ans. Institution européenne, 9 ans. Cour de cassation, 20 ans. Les professionnels que nous sommes en retiendront que vous êtes un juriste éclectique, maîtrisant des matières complexes et évolutives, mais aussi particulièrement complet, et ils relèveront à cet égard votre capacité à passer avec aisance et durablement des fonctions civiles aux fonctions pénales, garantie que vous connaissez profondément ce qui fait la richesse de notre beau métier.
L'échange aura donc marqué tout votre parcours. Mais au-delà de la description factuelle de votre activité, qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est donc cette philosophie de juge, vous qui êtes titulaire d'une licence en philosophie, fait suffisamment rare pour que je le mentionne ? À cette question essentielle, la lecture de vos écrits apporte quelques réponses. Dans un article publié en 2016, à la suite des arrêts d'assemblée plénière que la Cour de cassation a rendu à votre rapport le 3 juillet 2015 à propos de la gestation pour autrui, vous écrivez « Au-delà de la solution adoptée, ces arrêts fournissent une illustration intéressante de l'interaction qui peut exister entre le législateur, peu enclin à se saisir de certains sujets, la Cour de cassation, qui ne choisit pas les problèmes qu'elle doit trancher et qui ne peut, à l'occasion d'une affaire particulière, que traiter une partie d'un vaste problème, et la Cour européenne des droits de l'homme, qui identifie les violations de la Convention sans imposer une voie pour y mettre fin. Vous ajoutez que ces arrêts révèlent également la place importante qu'occupent la doctrine et les décisions des cours suprêmes étrangères dans la réflexion menée par la Cour de cassation sur un sujet particulièrement sensible. Là aussi donc, il est question d'échange, appréhendé cette fois-ci sous l'angle de l'interaction. La question de l'influence du droit, de la doctrine, de la jurisprudence, que celle-ci soit nationale, européenne ou internationale, sur des situations particulières, revient régulièrement dans votre réflexion personnelle. Dans un article récent intitulé « Le juge et les valeurs fondamentales pour une éthique de la discussion », vous posez comme postulat que c'est l'échange d'idées qui permet au juge de définir et de mettre en œuvre un certain nombre de valeurs fondamentales, que cet échange prenne la forme des débats à l'audience, du délibéré avec la collégialité indispensable, ou qu'il prenne la forme d'un dialogue élargi avec d'autres juridictions ou même avec l'ensemble de la société. D'ailleurs, comme membre des commissions de réflexion Cour de cassation 2022 et Cour de cassation 2030, vous avez soutenu activement le projet d'une interactivité plus développée tout au long du processus de décision à la Cour. Échange encore donc, au sens cette fois d'influence, de dialogue et de discussion. Ces derniers propos résument, je pense, votre conception du rôle du juge contemporain, situé à la croisée des chemins, au cœur d'échanges permanents où interagissent, se mêlent et s'alimentent toutes les sources du droit. Sans anticiper sur votre projet pour la Cour de cassation que vous allez nous exposer dans un instant, je puis donc augurer que la réflexion collective y tiendra une large place pour faire dialoguer notre Cour avec nos plus hautes juridictions, comme avec les cours suprêmes d'autres pays et les deux cours européennes, pas seulement sur un mode institutionnel, mais aussi par des échanges thématiques permettant de nous enrichir mutuellement. Le dialogue élargi sera donc votre feuille de route. Un tel programme, plein de promesses, évoque pour moi cette maxime que l'on doit à un industriel visionnaire, ce qui ne surprendra pas venant d'une présidente de la Chambre commerciale. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. La Cour est extrêmement honorée de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, curieuse et impatiente de nouvelles perspectives que vous lui offrez, et nous n'en doutons pas, des actions constructives que vous engagerez en son nom et pour son bien. Monsieur le Procureur général, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'installation d'un nouveau Premier Président de la Cour de cassation est un moment particulièrement fort dans la vie de notre juridiction et plus largement de l'institution judiciaire. L'honneur que nous font les très nombreuses personnalités de leur présence à cette audience solennelle en est bien sûr le témoignage. Madame la Première Ministre, à peine investie dans vos nouvelles et hautes fonctions, vous avez accepté d'honorer cette cérémonie de votre présence. Nous sommes très sensibles à l'intérêt que vous manifestez ainsi à l'autorité judiciaire et vous prions de croire à notre gratitude. Monsieur le garde des Sceaux, nous vous remercions vivement de votre présence. Je souhaiterais également remercier tout particulièrement pour leur présence à cette audience, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission des lois du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Madame la Défenseure des droits, Madame la Procureure générale près la Cour des comptes,
Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités françaises et étrangères, à vous tous, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence à la Cour aujourd'hui. Monsieur le Premier Président, cher Christophe Soulard, dans quelques instants, vous occuperez le siège que votre prédécesseur Chantal Arens a occupé pendant près de 3 ans. Permettez-moi de rappeler tout d'abord à quelle personnalité de grande qualité vous succédez. Chantal Arens a marqué de son empreinte cette juridiction et cette empreinte continuera à laisser, je crois, des traces pendant longtemps. Durant presque 3 années, nous avons officié ensemble à la tête de la Cour et j'ai pu personnellement constater à quel point sa droiture, sa fidélité à ses principes, son courage et sa sérénité ont été précieux à la justice et à la défense de l'office du juge. Sa clairvoyance sur les problématiques, sa très grande force intérieure et sa détermination ont permis de faire évoluer la Cour de cassation vers la modernité, tout en sachant susciter l'adhésion des magistrats et des fonctionnaires et en faisant vivre un dialogue social de très grande qualité. Madame Arens est unanimement reconnue pour ses qualités d'écoute, pour son dynamisme, sa ténacité. Elle a, je crois, toujours été guidée par la volonté d'œuvrer dans le sens d'une amélioration du fonctionnement de notre juridiction suprême, d'une modernisation de son organisation, d'un renforcement de son attractivité et d'une extension de son rayonnement. Elle s'est longtemps investie aussi dans la gestion des juridictions et dans les ressources humaines, s'intéressant toujours à ses équipes, prenant en compte leur avis et surtout cherchant à faire émerger un consensus et à susciter l'adhésion au projet, ce qu'elle a continué à faire au sein de la Cour de cassation. La première présidence qui se clôt donc a été marquée par une gouvernance, vous l'avez dit, à la fois collective et participative, avec la mise en place de plusieurs groupes de travail pour favoriser la réflexion en commun, le partage des idées et le décloisonnement des initiatives. Madame Arens a ainsi œuvré pendant 3 ans pour poursuivre la modernisation de la Cour et de ses méthodes, afin d'ériger encore davantage la Cour de cassation en véritable Cour suprême. Nombreux sont les résultats des actions et des réflexions qu'elle a menées. Elle a donné à la Cour les moyens de réfléchir à son avenir, à plus long terme, grâce aux travaux de la Commission Cour de cassation 2030, qui resteront pour les années à venir un guide précieux. Elle a instauré plusieurs groupes de travail qui ont pu nourrir une réflexion riche et intense au service de l'amélioration du droit et de la modernisation du fonctionnement de la Cour, le groupe de travail sur les méthodes de travail, celui sur les assemblées plénières, celui consacré aux perspectives pour 2022, à la médiation ou encore aux données décisionnelles ou de jurisprudence. Elle a donné à la Cour les moyens d'assumer son rôle dans des conditions modernisées, en favorisant notamment la mise en œuvre de l'open data, la création d'un nouveau site internet de la Cour, la mise en sécurité des serveurs informatiques et la refonte complète de l'application Nomos. Si certains de ces chantiers nécessitent encore que la réflexion se poursuive pour aboutir à d'importantes réformes pour la Cour, Madame Arens peut donc être fière du travail accompli tout au long de ces 3 années. Elle a également été très à l'écoute du parquet général, attentive et sensible à ses besoins, et il est important de le souligner, car au sein de cette institution, ça n'a pas toujours été aussi simple. Dès son installation, elle avait souligné le prix qu'elle attachait à l'évolution de la place du parquet général au sein de la Cour de cassation et à son rôle spécifique au sein des chambres. Enfin, dans l'exercice de ses responsabilités de première présidente de la Cour, de présidente du Conseil supérieur de la magistrature et de présidente du Conseil d'administration de l'École de la magistrature, elle a toujours démontré son attachement profond à l'indépendance de la magistrature et au respect des règles de déontologie. Elle n'a donc jamais hésité à défendre haut et fort notre institution chaque fois que l'indépendance de l'autorité judiciaire était mise à mal et chaque fois que des décisions prises par des magistrats ont été attaquées, rappelant que l'indépendance juridictionnelle des juges est une condition de la démocratie et que le juge doit pouvoir exercer son office et ses fonctions dans la sérénité, à l'abri de toute pression politique, sociale ou médiatique. La question de l'office du juge et de ses méthodes de travail n'a donc jamais cessé d'être sa priorité, comme la question des transformations de la société et des attentes des citoyens qui amènent à repenser cet office dans l'attente des magistrats et des justiciables. Je tiens donc à lui exprimer la reconnaissance des magistrats et des fonctionnaires de cette Cour pour son engagement sans faille et son travail inlassable. Elle a pleinement rempli son office de première présidente en donnant autant de sens à son parcours et à son œuvre. Monsieur le Premier Président, vous devenez donc aujourd'hui le 36e Premier Président de la Cour de cassation, vous inscrivant dans une lignée de magistrats exceptionnels qui ont été autant d'exemples en termes de compétences juridiques, de déontologie et de qualités humaines et qu'à n'en pas douter, vous perpétuerez.
Votre carrière a commencé au tribunal de Metz. Vous avez été nommé à votre sortie de l'école en 1985 comme juge chargé du service civil du tribunal d'instance. Vous y resterez 5 années. Votre goût pour le droit communautaire vous conduira ensuite à la Cour de justice de l'Union européenne où vous exercerez les fonctions de référendaire au cabinet du président, où vous excellez dans les observations que vous formulez sur chaque projet d'arrêt rédigé par les juges rapporteurs. Vos compétences juridiques et votre appétence pour l'enseignement vous seront précieuses dans vos fonctions du directeur du Centre européen de la magistrature et des professions juridiques. Riche de cette expérience internationale et pédagogique, vous devenez ensuite en 1998 et pendant 10 ans conseiller référendaire à la Chambre criminelle et à la Cour de cassation, que vous quitterez pour retrouver vos attaches lorraines en 2008, lorsque vous serez nommé premier vice-président du tribunal de grande instance de Metz, où vous allez présider la première chambre civile. Vous revenez à la Cour en 2012 comme conseiller à la Chambre criminelle, puis doyenne section et président de la Chambre en 2017. Vos compétences exceptionnelles sont ici unanimement reconnues. Parallèlement à vos fonctions juridictionnelles, vous avez réussi à poursuivre vos activités d'enseignement sans discontinuer, en exerçant notamment pendant 12 ans en qualité de professeur associé à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, puis à l'Université de Lorraine. Et votre attrait pour la transmission du savoir s'est aussi allié à des qualités de chercheur et s'est traduit par la rédaction de nombreux articles et ouvrages sur des questions juridiques ou réflexions intéressant la justice. Comme chacun peut le constater, je n'additionnerai pas les années, votre carrière est marquée par l'équilibre entre le civil et le pénal, entre les juridictions françaises et internationales, entre la magistrature et l'enseignement. Sous votre présidence, Monsieur le Premier Président, la Chambre criminelle a connu tant d'évolutions qu'on peut dire qu'elle a accompli une révolution, selon les mots bien choisis de son premier avocat général. La Cour de cassation s'est en effet engagée ces dernières années dans un mouvement de réforme important, dont la Chambre criminelle a été à la fois pionnière, motrice et encore plus ambitieuse. Ces réformes incluent notamment la conversion dans la rédaction au style direct, imposant elle-même une nouvelle construction des arrêts, la motivation enrichie, la rénovation de la présentation des rapports et des mémoires, la réforme de l'orientation des dossiers, la création des circuits différenciés, le développement de la non-admission des pourvois, la mise en place des séances d'instruction, les audiences thématiques ou encore le chantier de la dématérialisation. Par ailleurs, la Chambre criminelle, sous votre présidence, s'est considérablement ouverte. Il suffit d'évoquer le lancement de la lettre de la Chambre criminelle, la systématisation des notes explicatives, la multiplication des conférences et des rencontres et l'institutionnalisation très récente des rencontres annuelles avec l'université. C'est, je crois, fort de ces réussites qui mêlent l'innovation constructive et le respect de la tradition et de votre capacité à créer des relations de travail excellentes grâce à la bienveillante exigence qui vous caractérise, que vous devenez Premier Président. Et quand on est chanteur lyrique ou ceinture noire de judo, on connaît les valeurs de la tradition, de la discipline et de la mesure. La Cour de cassation va ainsi bénéficier de vos qualités professionnelles, intellectuelles et humaines hors du commun. Discussion et ouverture sont pour vous les maîtres mots, les fondements de la légitimité du juge, comme le caractère collectif de la réflexion. Dans un article écrit récemment, je vous cite, vous prenez l'enrichissement par le dialogue, et ce à tous les niveaux, lors des procédures et des audiences, entre les magistrats et les parties et entre les parties, au cours des délibérés, entre les juridictions nationales d'une part et les juridictions internationales d'autre part, et enfin entre les juridictions et la société tout entière. Je ne doute pas un instant que vous saurez faire vivre le dialogue direct et le travail collectif au cœur des 3 institutions que vous allez présider. L'un des enjeux majeurs est de mieux asseoir l'autorité des décisions judiciaires. Vous avez rappelé devant le Conseil supérieur de la magistrature que la légitimité et l'autorité de l'institution judiciaire reposaient avant tout sur la qualité des décisions que rendent les cours et tribunaux, et que la Cour de cassation, l'École de la magistrature et le Conseil supérieur de la magistrature doivent avoir une action conjuguée au service des justiciables. L'une des missions essentielles du CSM est de veiller à l'indépendance du magistrat. Nous aurons ensemble à rappeler régulièrement et avec force au pouvoir public qu'une justice de qualité a nécessairement un coût, au demeurant, et ce quels que soient les efforts consentis, au demeurant peu important au regard de la globalité du budget de l'État. La formation des professionnels de la justice est un domaine que vous maîtrisez particulièrement, et vos expériences professionnelles antérieures vous seront précieuses au sein du Conseil d'administration de l'École de la magistrature.
Vous avez déclaré, je vous cite encore pour la dernière fois, « La Cour de cassation est soumise à un double impératif, celui d'assurer l'uniformité de l'interprétation et celui de tenir compte de la jurisprudence des tribunaux judiciaires et des cours d'appel. Ce second impératif ne doit pas être considéré comme un frein, mais bien plutôt comme un facteur stimulant, puisqu'il contraint la Cour à mieux évaluer les conséquences de ses décisions, à mieux s'expliquer et à écouter, et le cas échéant à ajuster sa jurisprudence. Les explications qu'elle donne s'adressent au-delà des juridictions à l'ensemble de la population, qui est en droit de connaître les raisons pour lesquelles une interprétation a été retenue ou un principe posé. Il y va de la légitimité de l'institution dans son ensemble. » Ces propos signent, je crois, l'ambition qui est la vôtre, de développer le travail collectif au sein de la Cour et entre les juridictions et de favoriser les échanges avec l'extérieur. Le rôle du premier président de la Cour de cassation sera essentiel dans les années à venir, dans la poursuite de la modernisation de notre Cour, avec notamment les perspectives suivantes. Tout d'abord, bien sûr, une coopération étroite entre la Cour et les juridictions du fond, qui doit permettre à celle-ci de pouvoir rendre les décisions en cohérence avec une interprétation harmonisée et acceptée des règles de droit. Dans les contentieux émergents, la Cour doit se prononcer rapidement, et dans les contentieux complexes, elle doit pouvoir s'appuyer sur des magistrats spécialisés. L'Observatoire des litiges judiciaires récemment instauré sera très utile dans ce domaine. L'open data, ensuite, sera également un outil exceptionnel permettant à la Cour d'enrichir sa réflexion. La réforme du statut de l'avocat général pour mettre le droit en accord avec la réalité du fonctionnement de la Cour. Cette réforme est aujourd'hui portée par la Cour de cassation car elle est nécessaire à son bon fonctionnement. Si l'activité de la Cour de cassation est d'abord celle de chacune de ses chambres, nombre de décisions importantes devront néanmoins être rendues en assemblée plénière. La justice est en effet confrontée à beaucoup de questions fondamentales, qu'elles soient d'ordre éthique, économique ou social, et il importe que la Cour de cassation y réponde solennellement et collectivement avec davantage de décisions importantes qui pourront être rendues en assemblée plénière. Enfin, le développement de la communication de la Cour, du CSM et de l'École de la magistrature est indispensable pour faire œuvre de pédagogie auprès de nos concitoyens sur le travail des magistrats et pour défendre les principes de notre institution judiciaire. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour l'institution judiciaire. Les enjeux pour la Cour sont donc nombreux, tout comme le sont les enjeux pour notre justice. L'institution judiciaire doit en effet être matériellement en mesure, indépendamment du dévouement et de l'engagement individuel exceptionnel des magistrats et des fonctionnaires, d'accomplir de manière satisfaisante la mission essentielle pour la société qui lui est confiée. Le premier président doit faire comprendre que cet espace de résolution des conflits, d'apaisement social qui est une juridiction, n'a guère d'équivalent et doit être préservé à tout prix. Dans nos rôles respectifs de premier président et de procureur général, il nous appartiendra ensemble de développer et de consolider aussi ce lien, cette passerelle entre la Cour et son parquet général. Je sais que nous nous y emploierons dans le respect de l'office de chacun, en développant toute la concertation et la concertation nécessaire, comme vous le faisiez déjà dans l'intérêt de la Chambre criminelle, en veillant à faciliter les relations entre les conseillers et les avocats généraux et à mieux intégrer ces derniers au fonctionnement collectif. À la tête de cette Cour, et j'en terminerai par là, nous devons partager une vision et porter une ambition au service d'une Cour de cassation, véritable Cour suprême, et au service d'une justice de qualité, gardienne des libertés. Cette ambition passe par le respect absolu de l'indépendance du juge. La décision de justice constitue en effet le cœur de l'indépendance juridictionnelle et, sauf exception prévue par la loi et mise en œuvre par le Conseil de la magistrature, elle ne peut être contestée que par les voies de recours. Cette ambition passe aussi par la protection dont doit bénéficier dans une démocratie l'acte de poursuite et de juger contre toute attaque ou toute pression d'où qu'elle puisse venir. La protection dont est assorti l'acte de poursuite et de juger a pour seule finalité de garantir l'impartialité de la décision de justice. Cette ambition passe enfin par la mise en œuvre des préconisations du Comité des États généraux, qui a dressé un constat sévère mais juste de l'état de la justice dans notre pays. Il a appelé de ses voeux un renforcement substantiel des moyens et une réforme systémique qui s'attache enfin à trouver les réponses de fond nécessaires pour améliorer la qualité de la justice et satisfaire les exigences légitimes de nos concitoyens. Monsieur le Premier Président, je sais que nos relations seront riches et aisées, et je sais que vous continuerez à persévérer dans l'entreprise qui a marqué votre carrière et qui la marque toujours, la recherche de l'excellence au service de la justice dans cette Cour de cassation que vous connaissez si bien et que vous dirigez désormais.
Je me réjouis donc avec l'ensemble des magistrats et des fonctionnaires de la Cour et du Parquet général de vous voir accéder à la première présidence et je serai personnellement très honoré et très heureux de vous accompagner sur ce chemin. Madame la doyenne des présidents de chambre, je requiers donc qu'il plaise à la Cour faire donner lecture du décret de nomination, déclarer installé dans ses fonctions le premier président, M. Christophe Soulard, me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout, il sera adressé procès-verbal pour être conservé au rang des minutes de la Cour. Je vous remercie, Monsieur le procureur général. Monsieur le Premier président, la Cour vous invite à vous présenter devant elle. Madame la directrice de greffe, veuillez donner lecture du décret de nomination. Par décret du président de la République en date du 23 juin 2022, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 12 mai 2022, Monsieur Christophe Soulard, président de chambre à la Cour de cassation, est nommé premier président de la Cour de cassation à compter du 1er juillet 2022. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ses réquisitions et à Madame la directrice de greffe de la lecture du décret de nomination. Ordonne la transcription de ce décret sur le registre des délibérations. Déclare Monsieur Christophe Soulard, installé dans ses fonctions de premier président de la Cour de cassation, dit que du tout il sera dressé procès-verbal. Monsieur le Premier président, la Cour vous invite à venir occuper le siège qui vous est réservé. Qu'il me soit d'abord permis de saluer la présence à cette audience de personnalités représentant les plus hautes autorités de l'État réunies autour de Madame la Première Ministre. Je salue également la présence du président de la Cour européenne des droits de l'homme et de celle de président de Cour suprême d'autres pays. Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à l'invitation de notre Cour. Parmi elles se trouvent de nombreux universitaires qui témoignent ainsi des liens entre la Cour de cassation et la recherche. La présence de chacun d'entre vous nous honore. En me choisissant, le Conseil supérieur de la magistrature m'a investi d'une grande responsabilité. Je prends mes fonctions dans une période particulièrement troublée, au sein de l'espace européen, qui est l'espace familier dans lequel se joue notre avenir. Ce ne sont pas seulement les frontières qui sont disputées, c'est la place de la démocratie et la primauté du droit, notamment la primauté des droits européens, qui sont mises en cause. La France ne constitue pas un havre de tranquillité dans une mer agitée. Elle connaît des transformations importantes qui se traduisent notamment par une défiance accrue à l'égard de ses institutions, y compris les institutions dont la légitimité est première parce que reposant sur l'élection. À l'égard de l'institution judiciaire, la crise de confiance est double. Elle se manifeste d'abord chez les justiciables, actuels ou potentiels, qui lui reprochent d'être lente, opaque et imprévisible. Mais la défiance s'exprime également au sein du personnel politique, dont certains membres déplorent une judiciarisation de la vie publique, voire opposent la démocratie au droit. À cet égard, le sort de chacune des institutions de la République est lié à celui des autres. Tout discours qui sape la légitimité de l'un affaiblit les autres. S'agissant de la justice, on n'est pas loin de l'anathème de gouvernement des juges. Et pourtant, l'ancien président de la Chambre criminelle que je suis est bien placé pour savoir qu'il est en réalité plus souvent reproché aux juges de ne pas s'être affranchi des termes de la loi que d'être sorti de son rôle. On aimerait qu'il fasse fi des principes que le législateur a posés lorsque les concessions, les conséquences particulières de ces principes sont difficiles à assumer. C'est mal connaître ce qu'est le rôle du juge. Ce rôle est essentiel dans une société démocratique. Le juge applique la loi et lorsque celle-ci n'est pas claire, il recherche avec soin ce qu'a été la volonté du législateur
tout en tenant compte des évolutions de la société que ce dernier n'a pas pu prévoir. Mais il doit aussi écarter la loi lorsque celle-ci apparaît contraire à des normes européennes. En faisant cela, il ne fait que respecter la volonté du législateur qui a autorisé la ratification de conventions internationales et du pouvoir constituant qui a aménagé la Constitution pour permettre la conclusion de certaines de ces conventions. Ce rôle, le juge le remplit au terme d'un processus décisionnel dont on ne trouve guère d'équivalent ailleurs. Processus dans lequel prévalent le principe du contradictoire, le libéré respectueux des opinions de chacun, et aussi le principe de prudence scrupuleuse qui s'alimente des échanges que les juridictions entretiennent entre elles, que ce soit au plan international ou au plan national. Ces échanges ne sont pas seulement des marques de courtoisie. Ils constituent une étape importante dans la recherche de la solution conforme au droit. S'agissant des cours européennes, mon expérience me permet d'affirmer que la recherche du dialogue, à travers notamment les questions préjudicielles ou les demandes d'avis, n'empêche pas que la Cour de cassation respecte l'autorité qui s'attache aux décisions de ces deux juridictions, même lorsque ces décisions bouleversent le droit interne. Les décisions des cours suprêmes étrangères n'ont pas cette autorité, naturellement, mais les échanges que la Cour de cassation entretient avec ces dernières n'en sont pas moins fructueux que ces échanges s'inscrivent dans le cadre des divers réseaux existants ou qu'il s'agisse d'échanges bilatéraux. Je compte les poursuivre et les développer. Et je souhaite qu'ils portent non seulement sur le fond des grandes questions de société que nous avons en partage, mais encore sur les méthodes de travail et la motivation des décisions. Quant au Conseil constitutionnel, il constitue aujourd'hui une pièce maîtresse du dispositif juridictionnel qui permet d'assurer le respect des droits fondamentaux. Le président, Laurent Fabius, souhaite que son rôle soit mieux connu de nos concitoyens, qui sont les premiers concernés. C'est un souci que je partage, et la Cour de cassation, qui a conscience de la place du droit constitutionnel, grâce aux très nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle est amenée à examiner, apportera sa contribution sur ce chapitre. Enfin, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Didier Roland Tabuteau, c'est l'importance que j'attache à ce que nos juridictions continuent à entretenir des liens étroits et réguliers. Sur de nombreuses questions, la réflexion doit être partagée entre les cours suprêmes des deux ordres juridictions. Ces deux ordres forment ensemble le visage de la justice française. Le nouvel Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, présidé alternativement par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation, y contribuera, comme y contribueront les rencontres plus informelles et pourtant nécessaires entre nos juridictions. Tous ces échanges sont de nature à renforcer la légitimité des décisions de la Cour de cassation et par voie de conséquence, celle des décisions des cours d'appel et des tribunaux. De manière générale, la légitimité d'une décision de justice ne tient pas seulement aux connaissances juridiques, qui sont par ailleurs indispensables, de ceux qui la rendent. Elle tient pour une part également importante à la méthodologie qui y conduit. Les qualités requises, et notamment la capacité à se déprendre de ses affects et de ses opinions et intérêts personnels, à dialoguer, à examiner scrupuleusement les faits et à mesurer les conséquences de la décision, sont tout sauf innées. Il y faut un apprentissage, dans lequel la déontologie occupe une large place et qui se prolonge tant que dure la vie professionnelle. C'est un apprentissage dont la spécificité doit être préservée. Et c'est un apprentissage dont la qualité ne devra pas être sacrifiée au nom de la nécessité évidente de recruter davantage de magistrats, même lorsque les nouvelles recrues sont des juristes expérimentés. Le président du conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature que je deviens y veillera. Il importe néanmoins que les juges connaissent mieux le fonctionnement général de l'État, ce que devraient permettre des rencontres plus fréquentes avec d'autres agents publics et une politique active de détachement tout au long de la carrière. En retour, il est nécessaire que l'institution judiciaire, et notamment l'activité quotidienne des tribunaux et des cours d'appel, soit mieux connue et mieux reconnue. À la suite du mouvement de grande ampleur qui a traversé l'ensemble des juridictions,
Le président de la République a réuni des États généraux dont le rapport vient de lui être remis par son président, M. Jean-Marc Sauvé. Il faut saluer la volonté politique qui a présidé à cette initiative et rappeler que les justiciables sont les premières victimes d'une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu démocratique. Or, le constat dressé est lourd. Il décrit une justice au bord de l'asphyxie qui ne fonctionne que grâce aux sacrifices personnels considérables que consentent les magistrats et les personnels de greffe. Au-delà de la charge de travail, c'est la perte de sens qui est dramatique, notamment lorsqu'elle affecte nos plus jeunes collègues. Les tensions qui se font jour entre avocats et magistrats ne sont pas sans lien avec cette situation. On peut néanmoins les atténuer par le dialogue, notamment celui qui prend place au sein du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat. Cependant, les motifs d'espérer ne manquent pas. La crise que traverse la magistrature ne s'explique pas seulement par la charge de travail. Elle traduit d'abord le fossé qui existe entre la haute idée que les magistrats se font de leur fonction et le sentiment de ne pouvoir y consacrer le temps nécessaire. Cette crise est donc le reflet de l'exigence de qualité du corps judiciaire. Par ailleurs, si le constat dressé par le rapport est lourd, il fait consensus. Aussi, les magistrats peuvent-ils légitimement s'attendre à ce que des mesures importantes et globales soient prises, dont les effets se feront sentir dans les années à venir. Ils ont besoin de voir que le ciel s'éclaircit. Sans prétendre évidemment me substituer au Parlement ou au gouvernement, soyez assurés, Madame la Première ministre, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission des lois du Sénat, que je tenterai de donner, dans le cadre d'un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur les projets qui seront les vôtres. On peut supposer que ces projets mettront en œuvre, en tout ou en partie, les propositions formulées dans le rapport des États généraux. Je m'attacherai à rappeler inlassablement la spécificité de la fonction de magistrat et le besoin d'indépendance et d'autonomie qui en découle. Je le ferai à partir de l'expérience que je tirerai de ma présidence de la Cour de cassation, de celle de la formation siège du Conseil supérieur de la magistrature et de celle du Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature. Ces trois présidences sont liées entre elles, puisqu'elles concernent trois institutions qui ont pour vocation commune d'assurer les conditions d'une justice de qualité, conditions tenant au recrutement et à la formation, à la gestion des carrières et au respect des règles déontologiques, et conditions tenant à l'exacte application de la règle de droit par le juge. Celui qui préside ces trois organes vitaux du corps judiciaire dispose donc d'une vue d'ensemble précieuse sur le fonctionnement de l'institution. Néanmoins, les questions qui traversent cette dernière ne se réduisent pas à celles des moyens matériels et humains ou à des questions statutaires. Comme bien d'autres détenteurs d'une autorité d'ordre étatique, les juges sont mis en cause par une partie de l'opinion publique, telle qu'elle s'exprime notamment à travers les médias et les réseaux sociaux. Ces critiques sont souvent excessives, généralement simplistes et parfois totalement infondées, mais les juges ne peuvent les ignorer. En réponse, ils doivent toujours mieux donner à voir ce qu'ils font et faire apparaître que la réalité qu'ils traitent est une réalité complexe. L'enjeu de la communication sera un enjeu essentiel des années à venir, tant pour la Cour de cassation que pour les cours d'appel et les tribunaux. Il devra faire l'objet d'une réflexion commune portant notamment sur l'exploitation des nouvelles possibilités concernant l'enregistrement des audiences. De même, la Cour de cassation se dotera d'une web télé permettant de la faire mieux connaître. La réflexion sur la communication sera aussi commune au Conseil supérieur de la magistrature, qui peut être amené à expliquer que les magistrats ne sont pas irresponsables, mais que leur responsabilité ne saurait découler du seul regard qu'on porte par une vision rétrospective et donc tronquée sur le sens d'une décision juridictionnelle. Si la sanctuarisation de l'acte juridictionnel était remise en cause, les juges seraient amenés à prendre non pas la meilleure décision, mais la décision qui les expose le moins. C'est donc dans l'intérêt des justiciables et de l'ensemble de la population, et non dans l'intérêt particulier des juges, que cette sanctuarisation doit être préservée. Mais ce ne sont pas seulement les relations qu'entretient l'institution judiciaire avec l'ensemble de la société et ses autres institutions qui commettent de profonds changements. Ceci affecte aussi les rapports entre la Cour de cassation
et les juridictions de première instance et d'appel. La mise en cause de la hiérarchisation des opinions que connaît la société dans son ensemble se manifeste également au sein de l'institution judiciaire où l'interprétation de la Cour de cassation tend parfois à apparaître comme une interprétation parmi d'autres. Le phénomène ne fera que s'accroître à mesure que, grâce à l'open data, les décisions des autres juridictions seront accessibles et répertoriées. En un mot, l'argument d'autorité a perdu beaucoup de sa force. Ce phénomène recèle un potentiel formidable et positif, puisqu'il étend l'espace de discussion, laquelle est, comme je l'indiquais tout à l'heure, source de légitimité. Il est de l'intérêt général que, sur une question donnée, la Cour de cassation connaisse la position de l'ensemble des juridictions du fond et des débats qui les traversent. Il est non moins important qu'elle puisse anticiper ce que sera sa tâche en identifiant les nouveaux contentieux avant même d'en être saisie. Sous ce double aspect, la gestion de l'ensemble de l'open data qui a été confiée à la Cour de cassation constitue un puissant levier. Telle sera la fonction de l'Observatoire des litiges que la première présidente Chantal Arens a mise en place à la suite d'une préconisation de la commission de réflexion Cour de cassation 2030, présidée par André Potocki, dont je salue amicalement la présence, et qui reste à développer sous l'égide du service de la documentation, des études et du rapport de la Cour. Cependant, les justiciables sont en droit d'attendre que l'interprétation des règles de droit soit la même sur l'ensemble du territoire. Cette exigence d'égalité et de sécurité juridique donne à la Cour de cassation sa raison d'être. Si la Cour de cassation doit connaître les débats qui traversent les juridictions du fond, être consciente des difficultés que ces interprétations peuvent soulever, et de manière générale, entretenir des liens particulièrement étroits avec ces juridictions, elle n'est pas une cour d'appel. Elle doit assumer complètement l'autorité spécifique que lui a conférée le législateur. Cette autorité ne s'exerce plus ex cathedra. Elle repose sur une motivation qui donne à voir que les interprétations de la Cour de cassation sont le fruit d'une délibération collective et approfondie, prenant en compte les travaux de la doctrine, les positions adoptées par d'autres juridictions nationales et étrangères, et lorsqu'il s'agit de grandes questions de société, les courants de pensée qui constituent notre culture commune. C'est ce que nous appelons la motivation enrichie. Le premier président, Bertrand Louvel, que je remercie chaleureusement d'être aujourd'hui parmi nous, en fut le précurseur. Sur la base d'une analyse du contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire du contrôle tendant à vérifier qu'une règle de droit ou son application ne porte pas une atteinte disproportionnée à un droit fondamental. Contrôle auquel la Cour de cassation, selon lui, ne pouvait pas renoncer, sauf à ne pas jouer son rôle. Ce rôle, c'est celui que, quelques plus années plus tard, le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Robert Spano, à la présence duquel je suis également très sensible, devait définir en disant que chaque juge national doit agir comme un juge de Strasbourg. Le mouvement s'est ensuite élargi au-delà de la question des droits de l'homme, et c'est dans la continuité de ce mouvement que j'inscrirai mon action. J'y serai aidé, là encore, par le rapport de la Commission Cour de cassation 2030, qui décline les moyens de mettre en œuvre cette idée fondamentale. Cette idée est loin d'avoir épuisé ses effets. Parmi ces moyens figure le retour sur expérience. Il s'agit pour la Cour de revenir chaque année sur des arrêts qu'elle a rendus peu de temps avant, en organisant une discussion mêlant conseillers, avocats généraux, magistrats du fond, universitaires et avocats au conseil. Le but de cette discussion est résolument prospectif. Il s'agit de prendre la mesure des conséquences que la décision considérée induit et d'envisager les questions qui pourront se poser. Je serai également aidé dans ma tâche par l'image de figures tutélaires. La première d'entre elles est celle de Robert Badinter, qui m'a dit tout le plaisir qu'il aurait eu à être présent aujourd'hui, et qu'il l'est tout de même d'une certaine façon puisqu'il suit cette audience à distance. Je m'adresse donc directement à vous, Monsieur le Président. Je vous connais depuis longtemps puisque j'ai été votre étudiant, mais ce n'est évidemment pas seulement en tant que professeur que vous avez marqué les magistrats de ma génération, même si cette qualité n'est pas étrangère à la profondeur de vos analyses. Il est rare qu'un homme se soit penché sur la justice à la fois comme professeur de droit, avocat, ministre, juge constitutionnel, sénateur et même écrivain,
et tout aussi rare qu'il sache mesurer avec bienveillance et précision les difficultés du métier de magistrat. Votre expérience riche et longue ne vous empêche pas d'identifier les enjeux d'avenir, comme en témoigne votre intérêt pour la numérisation de la justice. Dans l'ensemble des fonctions que vous avez occupées, dans votre action comme dans vos prises de parole, vous avez montré votre attachement à l'existence d'une justice de qualité, tournée vers l'Europe et protectrice des droits fondamentaux, y compris ceux des détenus aux antipodes du populisme. La question des conditions de détention dans les prisons françaises est malheureusement ancienne, mais elle reste un sujet d'actualité qui ne devrait laisser personne indifférent. L'action conjuguée de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation ne suffit pas à la régler. Cette question préoccupait également le premier président Guy Canivet, qui s'est exprimé publiquement sur ce sujet. Sur un plan plus général, les effets de l'action réformatrice du premier président Guy Canivet se font encore sentir, qu'il s'agisse de l'informatisation de la Cour de cassation, de son ouverture au monde universitaire, du développement des échanges avec d'autres juridictions européennes ou du souci de respecter les droits fondamentaux. Il a démontré que l'on peut être à la fois juge et administrateur, ce que doit d'ailleurs être tout président de juridiction, puisque c'est dans sa qualité de juge qu'il puise sa légitimité à administrer. Je m'efforcerai d'être l'un et l'autre. Chaque nouveau président inscrit son action réformatrice dans la continuité de celle de ses prédécesseurs. La Cour de cassation a fait la preuve de sa capacité à changer, et je ne doute pas qu'elle continuera à le faire. Elle l'a fait et le fera grâce au dynamisme, à l'imagination et à la capacité de travail de ses membres. Ceux-ci savent qu'ils peuvent par ailleurs s'appuyer sur un greffe compétent et consciencieux. Parmi les membres de la Cour figurent les avocats généraux, dont la contribution pourrait être encore accrue. Leur participation récente aux séances d'instruction recèle à cet égard un potentiel important. Ce sera l'un de mes objectifs et je sais que je pourrai compter sur votre appui, Monsieur le Procureur général, cher François Molins. Mais la Cour de cassation n'a pu modifier ses pratiques que parce que les avocats au Conseil, soucieux que notre juridiction remplisse son office dans les meilleures conditions, ont accompagné intelligemment les réformes et ont su adapter eux-mêmes leurs méthodes de travail. L'excellence des relations que j'ai entretenues avec les deux présidents de l'Ordre que j'ai connus successivement dans mes fonctions de président, Maître Louis Boré et Maître François Molinier, m'incite à penser qu'il en ira de même à l'avenir. Je disais en ouverture de mon propos que je mesure l'ampleur de la responsabilité qui m'est confiée. Je la mesure encore davantage lorsque je songe aux grands juges qui m'ont précédé dans cette fonction. Et je sais que je la ressentirai tout au long des 5 années qui me sont imparties. Je souhaite que dans 5 ans, le rôle des magistrats soit mieux reconnu, que la qualité de leurs décisions rendues dans des délais raisonnables fasse l'objet d'une plus grande approbation et qu'eux-mêmes travaillent dans des conditions plus sereines. Ces objectifs sont indissociables les uns des autres. Ils participent de notre projet commun d'une justice dans laquelle les justiciables se reconnaissent et dans laquelle ils ont confiance. Dans la mer agitée que j'évoquais au début de mon propos, une Cour de cassation qui assure sa mission unificatrice et régulatrice dans un esprit d'ouverture et de rigueur, est un facteur de stabilité essentiel. Elle est la quille du navire. Je vous remercie. Monsieur le procureur général, avez-vous d'autres réquisitions ? Je n'ai pas d'autres réquisitions, monsieur le Premier Président. L'audience solennelle est levée. J'invite l'assistance à rester en place encore quelques instants, le temps de me permettre avec Monsieur le Procureur général, de raccompagner Madame la Première Ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat et Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.